Bonjour à tous, c'est les Arcaneurs qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago numéro 7, donc celui du mois de novembre, qui ressemble à ceci. Donc voilà, avec un éclairage plus ou moins correct. Et donc, comme vous pouvez voir aujourd'hui, notre cadeau, donc dans ce nouveau magazine, donc je ne sais pas trop pourquoi il y a encore écrit nouveau après cette magazine, mais c'est pas après cette numéro, mais ce n'est pas trop grave. Et bien, l'autre nouvelle figurine, c'est Zane, donc le ninja blanc, car effectivement, depuis le début, on a eu les trois autres ninjas, on a eu une structure ainsi qu'un méchant, enfin ainsi que deux méchants, mais donc il manquait encore un ninja pour compléter les quatre originales, et donc c'est enfin arrivé, c'est Zane, il est là, il est tout beau, il est tout chaud, quoi, pas vraiment, mais il a le pouvoir de la glace, mais bon, ne réfléchissons pas trop et ouvrons ceci. Alors, rapidement, cette feuille-là, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Le prochain numéro, ce sera pour le 31 décembre, donc dernier jour de 2015, et oui, je suis quelqu'un de, ma foi, très intelligent. Et tout ce qui est abonnement, rien de particulièrement intéressant là-dedans. Voilà, on va commencer donc tout de suite par ce qui est quand même un peu le plus intéressant dans le magazine, à savoir la figurine, que voici. Hop là. Et hop là. Donc là encore, quoi que non, c'est quel imprimé de torse ça? Ça ne me dit rien du tout. Parce qu'il me semble que les autres, c'était l'imprimé torse 2015 vague 1. Mais celui-là, là, on dirait plus que c'est celui de 2014 vague 2, non? Non, c'était plus 2014, effectivement, oui. Les autres personnages, excusez-moi. Alors que là, on dirait plus que c'est 2014 vague 2 et pas vague 1, du fait de ces petites armures. Non, je me trompe alors. On dirait vraiment que c'est l'imprimé qui était exclusif à la. Au temple de Ninjago City. Alors oui, bien sûr, forcément, alors un peu beaucoup de lumière. Je vais juste ajuster le focus. Ne vous inquiétez pas trop, on a le temps. Voilà, comme ceci. Maintenant, effectivement, avec cette espèce de protection un peu sur les côtés, ça fait vraiment penser à l'imprimé 2014 vague 2. Il me semble qu'il était exclusif vraiment au set de Ninjago City qui coûtait quand même une certaine somme. Donc ce serait intéressant effectivement, c'était bien le cas, donc ça permettrait d'avoir cet imprimé-là pour pas trop cher. Mais après je ne sais pas trop. Bien évidemment vient la cagoule toute blanche, même si maintenant avec la sortie des Airjitsu, ce n'est plus spécialement très très novateur ni vraiment exclusif à ce modèle-là. Par contre c'est moi j'ai loupé une barre là. Ah oui effectivement. Donc c'est effectivement plus trop exclusif, même si ça reste peut-être la façon la moins chère de le choper, hein, cette cagoule-là, vu qu'effectivement, bah encore. Si, oui, Zen est aussi sorti en Airjitsu normal, si j'ai pas de bêtises. En plus d'être le seul Airjitsu à être sorti en boîte de jeu. Donc voilà pour le trident qui est plutôt cool. Très grand. Et aussi un katana. Katana d'ailleurs, vous pourrez mettre si vous le souhaitez dans sa main, bien évidemment. Alors je sais pas trop pourquoi je ne montre pas la caméra ça. Ça commence bien. Hop là, comme ceci. Voilà. Et donc, ça à l'arrière. Comme ceci. Voilà. Donc, pour ça, et je pense qu'on a fait le tour. Donc, bon. Je laisse de côté. Voilà. Et on repart sur le magazine. Donc, on va voir un peu rapidement de quoi il s'agit. Enfin, de contenu plutôt. Et donc c'est parti, excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Donc on va essayer un peu de se remotiver, de se rebooster. Voilà, donc on fait en pub, bien sûr, les deux sets parmi les plus coûteux, bien évidemment, si on accepte la cité de Styx. Un petit récap. Et directement après, bah, tiens, Zane, boum, ton cadeau, voilà. Hein, donc bon, avec un petit questionnaire, tel que qui a reçu la moitié du noyau d'énergie de Zane? Est-ce Cyrus Borg, Sensei Wu ou Pixal? Je vous laisse répondre à ça. Et bien sûr, pour les autres questions, eh bien, je vous laisse chercher par vous-même. Donc là, on a la suite de la bande dessinée. Et c'est vrai qu'effectivement, il y avait déjà une IA en ninja dans l'épisode précédent. Je me souviens plus si je l'ai lu ou pas, je dois vous avouer. Ça ne me dit rien du tout, en tout cas voilà pour la bande dessinée, donc là encore je vais pas trop spoiler. Un jeu D7 différence, ou D7 erreurs si vous préférez.
Puis donc la première partie de la bande dessinée qui s'arrête là, d'autres jeux. Et le guide des épisodes, effectivement, où on continue avec, d'accord, avec la série Rebooted. Et donc oui, d'ailleurs, on la termine. Hein. Non, on termine encore. Ouais, on termine effectivement avec le 8e épisode avec le ninja de Titane. Voilà. Vient ensuite donc les posters. Alors on a un poster avec Wraiths contre Kai en version Ergitsu, visiblement. Et de ce côté-là, vous aurez Ronin, ce qui est plutôt cool. Même si je vous avoue que l'espèce d'écriture dégradée bleu-rouge, c'est un peu moche. Même si je peux plus ou moins comprendre pourquoi ils l'ont fait. Donc voilà, donc entre les deux camps. Il rend plutôt bien ce poster malgré ça. Voilà, Ergitsu, genre blâme dans la tronche. D'autres jeux. Le petit guide du personnage, donc, qui est bah, cette fois-ci centré sur Zane, logique. Ce qui fait qu'il me semble qu'on les a peut-être tous, il me semble qu'on a eu Wu aussi, donc ça voudrait dire que là on compte tous nos ninjas, à part peut-être Nia. Je sais pas si Nia a eu le droit à un dossier ou pas. Je me souviens plus. La suite de la bande dessinée avec Bancha, visiblement. Et la fin. D'autre part, c'est vraiment une pub, mais c'est un peu comme tel, quoi, avec le dragon de Moro et le dragon de Wu qui vous sont montrés. Donc deux choix de set, un hein, dragon de Moro qui est vraiment impressionnant, qui est grand, une bonne taille et tout. Le dragon de Wu qui est aussi assez intéressant, mais qui va être un peu plus déçu au niveau de la construction de son corps, mais qui à mon avis quand même qui reste très complet avec les deux ninja fantômes qui sont vraiment très complets, et aussi l'espèce de petite charrette, entre guillemets, de petit stand qui fonctionne très bien, quoi. Le courrier, les réponses, et attention, effectivement, qu'est-ce qu'on a? Et je vais regarder ça, et on aura, eh bien, une structure la prochaine fois. Tiens, tiens, tiens. Donc, alors, bah, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va peut-être mettre ça à terre et essayer d'avoir la caméra comme ceci. Alors, la prochaine fois, donc voici ce qu'on aura. Donc, le repère des Anacondas. Alors, pourquoi on est encore aux Anacondas en 2015, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont là. Voilà. Donc, les Anacondas, c'est ceux de la vague 1, hein, c'était pas les serpents de 2012, si je dis pas de bêtises, non? Oui, c'est les Serpentines 2012. Alors qu'Anaconda, normalement, Anacondas plutôt, c'est 2014 vague 1. Deux super posters, dont un, effectivement, qui a l'air assez super avec. Jay en version Deep Stone qui est très classe. Et un autre poster avec des fantômes, on dirait qu'ils ont carrément des boosters à la place des jambes. Même si je me doute bien effectivement que c'est leur jambe automatique. Et je vois qu'il y aura Bancha ainsi que. Alors lui, j'ai plus son nom, il a un nom anglais, mais je m'en souviens plus avec l'arc, là, le vieux pépé. Là, je vois plus. Là, je m'en souviens plus. Une idée passionnante. Si on vous le dit, c'est que ça l'est. Hein. Et donc, comme on peut voir, effectivement, pour le reste, qu'est-ce qu'on aura? Alors, reste dans la course. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Ah, c'est bah, les guides des épisodes. Ah, oui, bah, oui, la course, effectivement. L'épisode de la vague 1 2015 où ils font du roller. J'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 1 2015 encore. Mais c'est un très chouette épisode que j'ai beaucoup apprécié personnellement. Assez dynamique et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Bah, tiens, guide sur Moro. Donc je suppose qu'ils ont fait l'IA, s'ils ont dû faire s'ils font Moro, qui est un personnage un peu entre guillemets moins important vu que c'est un personnage assez récent. Et voilà. Et Kai atomise les fantômes carrément, quoi. Ils atomisent, c'est assez violent, quoi. Hein. Et bien d'ailleurs, le poster de Jay reprend un peu le même style que, enfin, dans le même style que cette image-là de Kai, qui est très jolie là encore. Pourquoi on a pas ça comme poster? Il me semble pas qu'on ait eu des posters comme ça jusqu'à présent. C'est dommage parce que alors les 4 posters et les 4 mains seraient pas mal du tout. Hein. Kai et Jay. Oui, bah, effectivement, vous aurez ce poster là le mois prochain. Vous aurez ce poster là, mais avec un fond différent. Là, vous avez la Styx, alors que là, effectivement, vous avez une sorte de foudre. Voilà pour ça. En tout cas, j'aime beaucoup l'esthétique ça des tenues de Dipto. Je trouve vraiment qu'elles sont assez classieuses et tout. Forcément, le noir, ça rend la chose un peu plus sobre, même si assez classique, mais ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Vous avez idem avec l'image de Zane, hein, qui fonctionne aussi très bien au même style et tout. Donc c'est très cool.
En tout cas, voilà pour ce magazine, donc qui était bah, pas trop mal. Là encore, après, je n'ai pas lu la bande dessinée. Il me semble que je l'avais lu pourtant, la bande dessinée du 6, mais je pourrais me tromper. En attendant, Camper, elle continue sur la vague 2 avec les fantômes. Hop là. Et c'est pas trop mal. Donc, voilà qui est fait pour le placement de figurines. Alors, attendez, parce que là, comme d'habitude, avec ma caméra qui a tendance un peu à eh bien, subir les affres de la gravité. Il risque un peu de tomber. Alors je voulais qu'on cadre au moins le Ninjago en arrière. Donc on va voilà, déplacer la figurine. Et faire un bon petit zoom. Voilà. Peut-être mettre en fait son. Ah, bon, comme ceci. Alors par contre, je ne sais pas tout si il avait déjà eu une harpon par passé. Parce que dans Ninjago, on a eu quand même beaucoup d'armes. Encore plus avec la présence de toupies et de boosters par la suite. Donc qui permettent vraiment de compléter. Ses armes, et encore plus d'ailleurs en 2011 surtout. Hein. Donc je sais pas du tout s'il a déjà fait un harpon ou pas, en tout cas c'est l'un qui est plutôt joli, je trouve, qui est assez simple, mais qui fonctionne bien et qui me permet d'attaquer un peu à plus longue portée, bien évidemment. Donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo découverte, qui n'avait rien de spécialement transcendant, mais qui au moins vous a permis un peu de découvrir l'intérieur du magazine. Je vous rappelle bien sûr que moi j'achète ça. Alors, je ne sais pas si en bureau de tabac, j'achète au rayon presse de mon Carrefour personnellement. Donc voilà, pour une des pistes, parce que souvent on me demande où est-ce que vous les trouvez, ces magazines-là, bah, tout simplement là, soit en bureau de tabac, et si vous ne les trouvez pas en bureau de tabac, allez voir au rayon presse de vos grandes surfaces, c'est possible qu'ils l'aient, voilà. Donc après, je ne peux rien vous garantir, mais normalement, c'est là où vous pourrez les trouver. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions et des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poster. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, nous, évidemment, on se retrouve très prochainement, donc le 31 décembre ou un peu plus tard, pour le numéro 8, dans lequel on aura donc une structure à construire. Et puis, un peu avant, bien sûr, aussi pour le magazine Shima. Voilà. Donc, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, nous, on se donne rendez-vous très prochainement. Allez, salut à tous, bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien et à la prochaine. Salut, salut, à plus.